Mesdames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans le Fafa. Recevez votre humble serviteur que je suis, votre animateur émérite de tous les jours, Serge de Fallet, la légende. Ben, je ne suis pas seul, toujours accompagné de ma binôme, Chola. Salut, Chola, bonjour à la tous. La charmante et célébrissime Chola. Bonjour Defa. Bonjour Chola. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste pétri des talents, mais je vais dire qu'il fait partie d'abord de ce style musical, qui est aujourd'hui une identité culturelle dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui s'appelle le Zouglou. Le Zouglou, on dirait, dans les années estudiantines, avec à sa tête un groupe de jeunes qui revendiquait une forme de choses au niveau du campus. À travers cela, c'est devenu une danse philosophique, comme ils l'ont prétendu. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un de ces jeunes-là qui fait partie de cette génération, non pas de la génération de la première, mais qui fait partie d'une nouvelle génération de Zouglou qui est venue avec un nouveau souffle, un nouvel air. Ils ont apporté leur style, leur manière, afin de donner une direction aussi artistique à ce mouvement musical qui est le Zouglou, qui est cette identité culturelle. C'est un groupe, ils étaient à la base plusieurs jeunes. Ils ont commencé aussi dans le même style de Woyor, dans les bars, dans les maquis, dans les funérailles, etc. Tout le monde sait un peu plus comment le groupe Zouglou démarre. Et dans ce talent, ils sont sortis du lot avec un album. Un album qui a pété dans toute l'Afrique et dans le monde, avec un style. Et ces jeunes-là, parmi eux, il y en a un aujourd'hui qui s'est détaché, qui a décidé de prendre son envol et de prendre son chemin tout seul. Dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui dans le Fafa Pico Leader. Bonjour Pico. Bonjour, mon vieux. Bonjour. Oui, c'est tout un plaisir, tout un honneur, bien sûr, pour nous de te recevoir. Oui, mais mon vieux, pour rectifier, c'est Pico, c'est plus Pico Leader. Leader. Bon, à la base, on t'a connu avec le groupe Leader. Ah, c'était dire Pico Transfuge. Transfuge du groupe Les Leaders. Ça, c'est un bon. Exactement. Voilà. Bon, ok. Donc même Kato. Ok. Donc, Pico, rectificatif, Transfuge du groupe Les Leaders. Ouais. Alors, Pico, tu vis désormais en France? Je vis en France, je suis basé en France en ce moment. D'accord. Vu que j'ai ma famille, ma femme, mes enfants sont là. D'accord. Depuis combien de temps tu vis en France? Un an, ça fait un an. Mais auparavant, tu avais déjà... Je partais de temps en temps voir mes enfants. Et là, vu qu'il y a ce que vous savez qui est arrivé avec le groupe, j'ai décidé de me retirer. Non, non, c'est pas, tu vas nous éclairer. Mais si vous ne savez pas, qu'est-ce que vous avez écrit sur vos feuilles? Non, ce que nous avons écrit sur vos feuilles, nous, on sait que... Hein, on t'a connu avec un groupe. Ok. Mmh. Aujourd'hui, c'est vrai que le divorce a été prononcé, mais tu étais en France. Consommé. Voilà. Mais tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le public, les fans, ils veulent savoir. Mmh. Mais pourquoi Pico décide de quitter le groupe Les Leaders? Et de s'installer définitivement. Définitivement en France. Pico décide d'abord, de pas pour répondre à la première question. Pico décide de quitter le groupe Les Leaders. Pourquoi Pico décide de quitter le groupe? Ah, tu réponds pas à cette question. Je décide de quitter le groupe Les Leaders parce qu'il y a plusieurs malentendus. Vous savez, entre un groupe de trois, c'est pas facile. D'accord. Il y a eu plusieurs malentendus et nous sommes des hommes responsables. D'accord. Moi, à la base, nous sommes des frères. Faut pas que ça aille aux mains ou que ça déraille. Donc, j'ai préféré me retirer et laisser la vérité à Mais dire. Quand on parle de malentendus, votre groupe s'appelle Les Leaders. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de leadership? Exactement. Parce qu'on dit Les Leaders. Bon. On n'a pas dit le leader dans le groupe, on dit les. Peut-être que vous pouvez le voir si je t'en, mais moi, pour moi, c'était pas, s'il n'y a pas de problème de leadership, vu que moi, le groupe, à la base, je suis le fondateur du groupe. Tu es fondateur du groupe. C'est lui qui a créé même. Le créateur, c'est Dieu qui crée un groupe. D'accord. Moi, je suis le fondateur. C'est toi qui as rassemblé les autres autour de toi. Voilà. Okay. J'ai laissé mon frère, Donès, devant. Okay. Et là, j'étais devenu comme le manager du groupe. Tout le monde le sait, ceux qui connaissent bien les leaders le savent. Mmh. Je faisais tout ce que je pouvais pour que le groupe arrive là où il est aujourd'hui. Okay. Et voilà, c'est ainsi. Donc, je dirais que tu as plus porté une casquette de manager dans le groupe afin de pousser le groupe que d'être le lead vocal. Voilà, vu que j'étais déjà le lead vocal avant, et bon, je me suis retiré pour que l'autre, il chante aussi superbement bien. Vous savez,
Voilà, et sa voix est connue. Mais on a connu le groupe par sa voix aussi, parce que oui, on dirait que Donnès, c'est avec les chansons qu'on a vu Donnès en tête que le groupe a pu atteindre son apogée. Ouais. Mais bon, là, avec ce que tu expliques, en étant déjà à la base le fondateur du groupe, et puis dans le groupe, il y a quelqu'un qui devient le lead vocal qui est peut-être celui qui est le plus en avant. Est-ce que ça ne peut pas créer des frustrations et des jalousies? Non, parce qu'à la base, quand moi je crée le groupe, c'est un groupe de frères, d'amis à la base. Oui, mais ça l'enfant. Donc l'esprit qui était là, c'était quoi? On devait s'en sortir pour aider nos parents. C'est pas je veux m'en sortir pour dépasser les autres. Non. C'est quand tu as cet esprit-là qu'il y a une concurrence. Mm-hmm. Moi, mon esprit a toujours été comme ça. Mm-hmm. Vous avez un membre parmi vous qui travaille avec vous, Soko, il sait un peu qui je suis. Il sait. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en contact. D'accord. Quand Soko il a un problème, moi, je suis là. Moi, mon esprit, c'est un esprit de famille. Oui, mais dans l'esprit de famille que tu Donc, j'ai jamais voulu dépasser quelqu'un. J'ai plutôt voulu que nous, ensemble, nous allions de l'avant. Ça, c'est toi, ton esprit. Hein, oui. Ça, c'est toi, c'est que toi. Justement. Voilà, moi, ça, c'est toi, mais puisque on me pose une question, on pense que c'est une histoire de leadership. Et c'est à moi qu'on pose la question. D'accord. Donc, je donne moi ma définition. D'accord. Pour les autres, je n'en sais pas ce qui leur est arrivé dans la tête. Moi, je souhaiterais qu'on revienne au tout départ. Hein. D'accord. Tu crées le groupe. D'accord. Au départ, il y avait Pico, Valé et Yuzé. C'est ça. Vous étiez trois. Non, Yuzé. Le groupe, c'était Valé et Pico. D'accord. Ah, vous étiez deux. Donc, au départ, ils étaient deux. On l'a fait rentrer au même moment que Donnès. Voilà. Donc, toi, tu crées ton groupe. Et puis après, Donnès, il arrive après. C'est-à-dire, il n'était pas là au départ. Hein. Le noyau, c'est toi et Valé. Donc, Yuzé et Donnès arrivent bien après. Et comment ça se peut? Toi qui crées le groupe, Donnès vient te trouver là. Et puis, te ravit ta place comme ça, de lead. Et toi, tu te retrouves de héros. À zéro. Ok, je te réponds. Donnès ne m'a jamais ravié ma place. Donnès ne m'a jamais ravié ma place parce que on a placé quelqu'un. C'est quand tu as ravié la place de quelqu'un, quand tu as pris la place de quelqu'un, c'est-à-dire, tu es venu l'emmener à tout le monde, a dit non, toi tu ne peux pas chanter, retourne-toi, lui il est plus fort que toi. Non, dans le groupe, tous ceux qui savent, ils savent. Ceux qui connaissent les leaders. Mais nous, on ne connaît pas. Parce que nous, on est là pour savoir. Parce que ce que tu dis là, non, en fait, nous, on n'est pas d'accord avec toi, Pico. Tu sais pourquoi? Si tu es assis dans Fafa aujourd'hui, là, quand on dit Fafa, là, c'est que nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Nous, on veut savoir. Je suis en train d'expliquer. Justement, mais toi, dans ton explication là, nous aussi, on est là. On doit aussi tirer les choses de ce que tu dis. Mais c'est ce que je dis. Je ne tourne pas. Donnès, quand il est arrivé dans le groupe. Quand il est arrivé dans le groupe, comment il devient lead vocal à ta place? Ben, on a sorti un album où on était à part égal, les garagistes ont produit, je les salue au passage. Oui, voilà, cet album. Après cet album, le prochain album, il a fait des propositions, des morceaux. Et quand on est arrivé, ça avait même créé des histoires, je vous le dis déjà au départ. Tu vas trop vite. On dirait que tu es pressé pour des parties là, tu es pressé, tu coucou là. Des fois c'est lourd. Oui, c'est lourd, attends. Tu dis que les garagistes créent et vous produisent. Après, à la deuxième production, Donnès propose des chansons. Mais toi, tu as proposé quoi? Si tu finis, je peux parler. Non, il a demandé, toi, tu as proposé quoi? On a tous proposé des chansons. D'accord. Et vu que... Pour Donnès, c'était plus chic. C'est pas que pour Donnès, c'était plus chic. Si vous avez écouté le prochain album des leaders... Moi, je connais toutes vos chansons. Si vous connaissez les albums des leaders, vous saurez ce qui est plus chic. Quand vous dites que vous donnez, c'était plus chic, c'est pas ça. Nous, on est dans un esprit d'ensemble. D'accord. En fait, ce que j'explique, c'est que c'est de ma propre volonté, en fait. Ah. Je vous dis, c'est de ma propre volonté que j'ai voulu. Sinon, au départ, ça crée un petit tic forcément. Forcément. Faut pas qu'on se mente. Tu peux pas. Au départ. Il y a eu bafou. Non, je t'explique. Ça, tu peux pas. On n'est pas aussi payé. J'explique en toute vérité, en toute franchise. Au départ, ça fait un tic. D'accord. Il n'est pas venu prendre ma place. Mais quand il dit bon, je vais chanter peut-être tel nombre de morceaux, tu vois un peu, ça peut faire un tic. Moi, je me suis dit bon. Combien de morceaux sur un total? Non, j'explique. Ouais, je ne dirai pas le nombre parce que c'est des trucs que je 7 sur 3. Non, je vais chanter tel nombre de morceaux, c'est plus. Et puis, moi, je vais sortir, moi, je sors mes morceaux, tu vois, et puis, les morceaux sont de la même valeur.
Et tu vois, après, ça crée un petit hic, mais on est dans une famille. Il faudrait qu'on ait l'esprit des familles, puisque c'est moi qui ai créé le groupe. Mmh. Donc, immédiatement, moi, je me dis, je sauve quelque chose ou je gâche ce que j'ai souffert pour qu'on arrive là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me réplique, puisque Valet, moi, après, on cause, tout, il me dit... Il te promet? Non, il me dit, Pico, tu es quelqu'un de bien, tu sais ce que tu peux faire. On n'a pas envie que ça parte en couille. Et moi, je dis, ben, on s'assoit après, je dis, ben, les gars, c'est pas un problème. Même si une chanson, moi, je peux mettre la valeur de 17 chansons dessus. Moi, Pico, comme on le sait. Donc, ça ne me gêne pas. Donc, vous écouteriez toujours dans les albums des leaders, il y a une chanson qui va se démarquer, là, c'est Pico. Bon. Donc, c'est ce que je faisais. Je mettais tout le plein dans la chanson et je gardais tranquillement les chansons pour ne pas qu'il y ait une division. Dans Mais quand tu dis, il y a une chanson qui va, c'est Pico, là, les chansons... qui ont été des chansons qui ont été écoutées par tous, sont des chansons qu'on a vues où Donès était en lead vocal. Donc, comment se fait que les chansons qui donnent, c'est Pico? Je n'ai pas dit les chansons qui donnent. Si vous, si vous reprenez le passage que j'ai D'accord, dit, tu as dit. Je n'ai pas dit les chansons qui donnent. J'ai dit une chanson qui va se démarquer. Démarquer, oui. Qui va te toucher parce que j'ai ma manière à moi de chanter. Ok. Voilà. Donès aussi a sa façon. Il a sa façon de chanter. Tu vois un peu. Donc, moi, je sais que. Moi, je te dis que. Il chante super bien, il a sa manière de chanter. Et les gens disent même que de vous tous, c'est lui le plus dangereux. On dit qu'il est plus fort que vous tous. Ouais, mais c'est l'appréciation de tout un chacun. Ah bah voilà. Mm-hmm. Maintenant, je ne te suis pas bien. Chacun a son appréciation. Tu as dit tout à l'heure... Si que Donès est fort, c'est normal. C'est bah, moi, oui, c'est ce qui se dit que je te dis. Lui, il m'insiste. Donc, en fait, je ne te suis pas bien. Tu as dit que... Mais au parce départ, que vous ne me laissez pas finir. Non, on te laisse finir, mais toi-même, tu te mélanges dans tes explications. J'aime parce que tu veux. En fait, vas-y. On est en train de te faire comprendre que, d'après ce qu'on a entendu, tu as créé le groupe, n'est-ce pas? Moi, je veux bien comprendre. Tu as créé le groupe. Après, Donès est arrivé. Quand Donès arrive, il devient lead vocal. Toi, du coup, tu es un peu en retrait. Tu dis, non, c'est vous-même qui avez décidé de mettre Donès comme lead vocal. On est d'accord. Mais si vous avez décidé de le mettre comme lead vocal, pourquoi maintenant qu'il est lead, il veut chanter plus de chansons, toi ça te dérange? Mais vous avez décidé donc comme un accord que ce soit lui. Mais, donc il a le droit de chanter tout l'album s'il veut. Mais plutôt par contre, ce que vous êtes en train de dire, je vous reprends au mot, vous vous mélangez vous-même. Parce que vous ne m'écoutez pas, tu vois. Vous ne prêtez pas attention à mes dits. Ah, je dis, que c'est toi qui je n'ai pas quitté le groupe pour un problème de leadership. Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je Mais dis... ce que tu exprimes, la non. conclusion c'est que c'est ce que je dis. Je reviens sur tes propres mots. Qu'est-ce tu as que dit que je ne parle pas de ton départ, on n'est pas encore arrivé là-bas. Je ne vais pas à part. Pourquoi tu as quitté? Non, on n'est pas encore arrivé. Tu dis que quand Donès est arrivé là, c'est vous-même de commun accord. C'est ça, vous qui avez décidé que Donès soit le lead vocal. Maintenant, après, tu nous dis encore que ça a créé un petit bafou entre vous. Mais donc, je reviens pour dire, si vous-même de commun accord, vous vous êtes entendu du fait que Donès soit le lead vocal. Pourquoi ça crée un bafou? Ça doit certainement pas te déranger. Mais je t'explique, c'est pourquoi je dis vous ne m'écoutez pas. Ça crée un bafou avant de prendre l'accord de la décision. Ah donc Non, parce que mais tu n'as pas compris. Quelqu'un vient dans un groupe, il est avec nous. Il est avec nous, on est ensemble. On se met ensemble, là on chante. Soko, vous avez quelqu'un qui est sur votre plateau ici qui sait. Quand on chante... Bon, il nous a rien dit. Il y a des trucs... ceux qui nous connaissent, ils savent... Quand on chante, il n'y avait pas de leader déterminamment. Au départ, il n'y avait pas de leader. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que... Chacun avait sa partition. Et puis les gens, leur appréciation, les gens appréciaient celui qui voulait. Okay. Bon, pour ne pas tout faire mes propres éloges, je ne dirais pas certaines choses en ce temps. Mais ceux qui connaissent les leaders, ils savent. Maintenant là, quand on rentre dans la carrière professionnelle, on a chanté sur un album à part égale. Le deuxième album que les garagistes n'ont pas produit, que nous avons produit, on s'est permis de le laisser chanter. Tu vois un peu. Mais avant de le laisser chanter, quand il a proposé, ça a créé un foufou. C'est ce que je dis, le foufou ne vient pas après. Après, il vient avant de le laisser. Ça crée un foufou. Et qu'est-ce qui t'a convaincu finalement d'accepter qu'il soit lead vocal? Parce que je suis un homme de paix et j'aime faire des sacrifices pour mes deux frères.
Mais tu t'es pas dit qu'en faisant ça, ça allait te voler la vedette? Moi, ma vedette, on ne me la vole pas. Je la récupère toujours de d'autres façons. Ah, ça veut dire que là, comme tu es revenu en carrière solo, tu viens dans un esprit de vengeance pour prendre ce qui t'appartient de toi. Jamais. Jamais. La musique, c'est une file. On est plusieurs. C'est comme vous êtes en classe. C'est le travail que tu mets, c'est selon ça que les professeurs qui sont les fans vont te noter. Okay. Donc, je ne peux pas prendre la place de quelqu'un. Okay. Je travaille plutôt pour avoir de bonnes notes. Okay. Et tout à l'heure, alors, Chola, il va nous dire, dis-nous, pourquoi aujourd'hui tu as décidé de quitter le groupe? J'ai décidé de quitter le groupe parce qu'il y a eu plusieurs malentendus. Okay. Les malentendus, moi, de grâce, vous m'excusez, j'ai dit au départ que nous sommes des frères. Je ne vais pas. Les linge sale, c'est la femme dehors. Mais je ne vais pas exposer ça. Nous, mais on fait sachez que. De notre famille aussi. Oui, ça, mais sachez que, de grâce, il y a eu des malentendus. Et vu que nous sommes des grands garçons, vu que nous sommes des gens de famille, nos familles se connaissent et nous sommes la fierté d'un quartier, on peut se séparer, mais on ne peut pas s'entre-déchirer. Mais je ne peux pas permettre qu'on devienne en guerre. Non, il faut qu'on soit toujours fierté. Les malentendus, il y en a eu à plusieurs moments dans le groupe. Il y a eu plusieurs malentendus. Tu ne me diras pas que. Non, tu me diras pas qu'il n'y a pas eu des malentendus quand vous étiez ensemble. Si. Mais est-ce que ces malentendus ont fait que tu as quitté le groupe? Non. Donc si ce malentendu-là est arrivé et que ça t'amène à quitter le groupe, c'est que c'est lourd. C'est que là, c'est plus malentendu. C'est bafou, lourd, bafou. Ça, c'est un autre nom. Non, mais le nom, tu me le donnes, moi. Non, moi, je ne te le donne pas parce que je me dis que vous étiez en groupe. Mais oui, c'est normal. C'est normal. Et que vous n'êtes pas séparés. Il y a des petits bobos à chaque arrêt. Mais tu sais, on est tous des êtres humains. Nous ne sommes pas des dieux. La patience que Dieu a pour nous supporter, nous, on peut en avoir, mais pas comme Dieu. Un homme a toujours une limite. Ah, donc, c'est la goutte d'eau. Voilà, maintenant, tu as quitté le groupe. Vous êtes allé chercher, éviter pour venir nous évangéliser. Puis, quand on n'est pas à l'église, il faut parler de notre amour. Non, cette goutte d'eau-là, je ne la dirai pas parce que c'est un truc interne. Je leur dis, et moi, quand on se sépare, je dis tranquillement, si vous parlez, c'est là que moi, peut-être, je vais sortir ce qui se passe. Mais sinon, moi, je leur dis, si eux, ils parlent, c'est là que moi, je vais sortir. Donc, pour tu as peur, parce que si toi aussi, tu parles, ils sont capables de sortir pour toi. Je t'explique. Ils ne m'ont pas dit ça. C'est moi qui leur ai dit. À partir du moment où tu leur as dit ça, eux, ils sont intégrés. Donc, dans leur fond intérieur, ils attendent aussi pour toi. Nous aussi, le juge va se tromper. Ou dit, mais on débat tout. C'est que tu as les cadavres dans le placard, tu ne veux pas qu'on soit au courant. Non, c'est pas au courant. Voilà. Libérer. Aujourd'hui, Donetsk, les leaders, ils évoluent, ils avancent. Oui. Donetsk même, il roule en Range Rover. Il est dans une grosse caisse, il est en. Voilà. Nouveau Range Rover. Est-ce que quelque part, tu n'es pas un peu aigri? Je suis aigri, quelqu'un qui monte dans un avion matin qui revient demain matin. Non, on ne parle pas de moitié d'avion. On dit que ici, à Bidjan, la Donetsk, c'est une situation réduite. Quand tu parles de lui, il roule dans Range Rover. Je suis content pour mon frère. Je suis très heureux déjà. À la base, c'est ce qu'on a souhaité avoir. Il est en train d'avoir ça. Lui, il a eu moi, j'ai eu pour moi. Ce n'est pas qu'une voiture qui va me faire dire que moi, je n'ai pas eu pour moi. Moi, je monte dans un avion, je vais en France. Avion, tu montes dedans, c'est pas pour toi. Lui, voiture qui roule là, c'est pour lui. Mais il y a voiture. Ah, c'est ce qu'elle voulait savoir. Mais c'est pas un grand jour. C'est même marque pour Donetsk là. C'est pas un grand jour, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il t'a damé le pion. Moi, ça me fait mal. Il va me damer le pion. Créateur, aujourd'hui, tu n'es plus à la tête, tu te retrouves à la queue. C'est frustrant. Il y a une affichation d'ailleurs. Chacun a sa conception de la vie. Chacun a sa manière de voir la vie. Moi, voir la vie, je me dis que si mes amis, aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de voir Donetsk rouler dans un Range Rover, valide dans une grosse 4x4, et que nos enfants aillent à l'école. Nos parents, quand ils ont besoin de nous, on puisse les aider. Nos amis avec qui on a chanté avant, quand ça ne va pas dans leur musique, on leur apporte le coup de pouce qu'il faut. Et tout notre entourage est à l'aise. Moi, déjà, moi, la vie, je me dis que ça me va. Ça te va? Maintenant, si le reste, vous trouvez que peut-être que moi, je suis en retard, moi, franchement... Non, nous, on ne trouve pas que tu es en retard. On dit ça. On n'a pas dit ça. Nous, on parle de ça. Mais tu dis qu'il m'a damé le pion. Mais ça ressemble à ça, Pico, parce que... Quand si tu veux, tu restes ce que tu penses. C'est comme si moi, je crée quelque chose. Quelqu'un quitte là-bas, il arrive. Et puis, en définitive, c'est lui qu'on voit. Wallahi, bilahi, talahi. Me connaissant, bafouille, moi, ça n'a jamais fini. Si tu finis, je te Maintenant, apparemment, tu es un homme de paix.
tu aimes la paix, on est d'accord. Mais tu es un être humain, n'empêche que tu restes un être humain. Et quelque part, il y a certaines frustrations. Et tu as des ressentis. Ah, donc c'est la frustration. C'est pas une frustration. J'ai dit, tu as dit, tu es un homme de paix, tu es un être humain. Oui. L'être humain a des limites. Je veux dire, je t'ai dit que c'est ce que tu dis là. C'est comme ça que la vie est. C'est ce qui m'a fait partir. Parce que j'ai mes limites. Voilà. Monsieur, il parle, je parle pas de frustration. Quand tu peux commencer à parler déjà. Non, mais au fait, je t'explique quelque chose. Il ne s'agit pas de parler. Ce n'est pas toutes les choses que tu as fait avec tes frères, où il y a une discussion, qu'on étale en public. Moi, demain, si on en parle, moi, je vous dirai, franchement, sincèrement, je ne reviendrai plus avec les leaders, même si nos parents essaient. Mais demain, si on en parle, demain, si on en parle, on va en parler pour libérer, pour qu'il y ait des décharges. En famille, libérer son cœur. Et puis c'est parti, mais c'est le linge sale, tu dois se laver en famille. Pas sur un plateau. Moi, tout ce que moi je veux, moi je fais une nouvelle musique. Comme elle a dit, j'ai créé une société et je viens d'en créer une autre. Pour dire que j'en ai les capacités. Et demain, donc, tu vas encore créer la société là et puis quelqu'un va venir encore te ravir. La place est échappée. Ma société, dans laquelle je suis actuellement. Ils vont toujours te frustrer comme ça. Non, ma chérie, on ne peut pas. Je sens seul en ce moment. Donc, si tu veux. On ne sait jamais, ton manager même peut venir prendre ta place demain. Parce que c'est que je suis une porte de bénédiction. Non, monsieur là, en parlant de son manager. C'est que je suis une porte d'ouverture. En parlant de son manager, Maillot Jaune dans le groupe était très très proche de Pico. Non, Pico. Ah oui? Oui, bien sûr. Beaucoup, beaucoup. Mais après, elle était plus indonnée, apparemment, elle aime les leaders. Elle aime ceux qui sont en avant, pas à la queue. Donc, du coup, il y a eu aujourd'hui, il y a le festival leader qui est en ce moment en cours. Hein, et c'est un événement qui est, on va dire, qui marche bien. Qui est publicité, qui, voilà, qui marche super bien. Ouais. Avec tout son engouement, tout ce qui se passe. Tu n'as pas un pincement au cœur quand tu vois ça? Est-ce qu'il n'est pas frustré? Tu sais, je te dirai. Quand j'ai décidé de partir, de quitter le groupe, ils m'ont demandé, franchement, ça me fait mal de le dire, mais mes frères m'ont dit non, pardon, reste. Au moins, on va finir le Festi Leader, tout ça. Le Festi Leader, j'en suis le créateur. Non, non. Si je te pose la question, il faut laisser. Il laisse, parle, il laisse-moi. Le Festi Leader, j'en suis le créateur. Je connais, je sais comment j'ai ça s'est passé. J'ai donné les idées à Miss Kwame. Voilà, Miss Kwame. On a bataillé ensemble. J'ai trouvé les contacts. On le faisait sur le terrain Figaro. Aujourd'hui, on a ramené ça comme le festival de la psychologie. J'ai dit toujours, quelqu'un qui crée une société, qui la laisse, qui va créer une deuxième société, de quoi aura-t-il peur? Alors, Pico, à ce qui paraît, ce qu'on a entendu hein, aujourd'hui, c'est vrai que tu n'es plus avec les leaders. Mais nous, on a entendu des bruits de couloir. À ce qui paraît, dans le groupe, on te reprochait d'être déjà trop, quelqu'un qui buvait trop. Et que, à un moment, tu bois même à peine de la tête, tu ne viens même pas au rendez-vous, tu es en retard. Pour les choses que vous devez faire ensemble, les répétitions, beaucoup, toutes ces choses-là, et que c'était récurrent, vraiment fréquent, dû à ton addiction à l'alcool. Ok, vieux. Déjà, je réponds aux gens, je dis à tous ceux qui racontent des sanités sur moi, le groupe, je suis l'homme qui est le plus à l'heure. Vous demanderez, j'ai jamais loupé un rendez-vous, c'est moi qui prends les rendez-vous pour le groupe, qui les donne à Miss Kwame, c'est moi qui gère sous forme de management la carrière du groupe. C'est moi qui ai guidé Miss Kwame dans le management et avec le groupe. C'est moi, le bloc que j'abattais dans le groupe, vous pouvez le demander. Donc Miss Kwame n'était pas manager, mais c'est elle était manager, je l'ai mis manager, on l'envoyait pour qu'elle nous manage, mais c'est moi qui l'a coaché dans le début, puisque c'est une femme, elle venait d'arriver dans le milieu. Voilà. Le groupe, si c'est en matière d'heure, vous voulez demander, je suis à l'heure. Spectacle, les gens ne verront jamais sous les six scènes. De deux, l'addiction à l'alcool, il y a des choses qui m'ont échappé par moment. Ça, pour ça, si j'ai eu à frustrer quelqu'un, je présente mes excuses. Mais l'alcool ne m'a jamais empêché d'aller faire mon travail. J'ai jamais prisé l'alcool pour mon travail. J'ai toujours mis mon travail au devant. Ceux qui connaissent mon amour pour les leaders, pour ma musique, ils le savent. Mais tu buvais, n'empêche. Oui, je sais ce que j'ai dit. J'ai dit si j'ai bu une fois, j'ai dit si j'ai bu. Non, l'alcool, je t'ai dit quelque chose. C'est écrit dans la Bible que fêtez, buvez le bon vin, mangez quand vous avez de l'argent. Mais c'est en abuser.
C'est un... Non, je t'explique, c'est quand tu dis je ne justifie pas. Je te dis que on a tout simplement arrêté. Ça, c'est le mouvement des Gédéons. Voilà, de faire les bassesses, les petits trucs qu'on a fait quand on était plus jeune. Voilà. Tu as vu? On a tout simplement. Tout à l'heure, quand j'ai demandé, Pico, tu continues de boire ou pas? Oui, la Bible a dit que enlève la Bible dans ton affaire d'alcool. C'est que quand vous voulez justifier vos addictions. On boit, même on boit, elles ne boivent pas. Non, l'eau, c'est de l'eau. Elle est source de vie. Voilà. Mais l'alcool, là. On n'a jamais dit que l'alcool était source de vie. Non, l'alcool n'est pas source. Alors, donc, on te demande, mais tu rentres dans la fête que on dit de transférer le vin en alcool. Non, mais moi, je bois plus. Non, non, non. Mais tu bois un peu de temps en temps. Je bois à la maison, tranquillement, parce que les conséquences de ce que ça avait causé auparavant, je voilà. Dis, donc tu te pompes plus, pompes même quoi. Ouais, bah, tu te mets plus minable. Avant, on s'était laissé, laissé. Tu sais, à un moment de la vie d'un homme, il y a des choses qui peuvent t'échapper. Ça m'avait échappé. Et bien là, je suis passé dessus. C'est la frustration du fait que Donnès ait pris ta place et qu'on t'ait poussé vers la sortie qui te faisait boire autant. Bon, jamais. Mais qu'est-ce qui te faisait boire? J'avais des problèmes financiers, des problèmes spirituels que j'ai expliqué. Je ne vais pas expliquer un problème spirituel. Ah, c'était attaqué mystiquement? Voilà, très mystiquement. Est-ce que ce n'est pas Donnès qui faisait ça? C'est pas lui. Donnès n'est pas un féticheur, il n'est pas mystique. On n'a pas dit lui faire, mais peut-être qu'il peut voir les gens pour le faire contre toi. Donnès, moi, je ne sais pas si Donnès connaît ces gens de personnes, je ne sais même pas. Est-ce que vous n'êtes pas dans le groupe un jour aller voir un petit couloir pour faire pour avoir un peu de succès? C'est un coup comme ça, les leaders. On ne sait jamais, est-ce que c'est vous n'êtes pas arrivé d'aller voir un couloir, voir un petit féticheur là-bas pour faire un peu de trucs? Oui, parce que des fois, regarde comment ils sont arrivés, on ne les connaît pas. Il débat comme ça. Faut pas les dire comment. Faut pas faire ça. Moi je parle du BIM. Parce que c'est le BIM qui vous fait connaître. Vous êtes quelque part dans les petits quartiers et puis un coup, BIM, vous arrivez, les leaders. On vous entend dans tous les maquis. Le succès est venu comme ça ou bien il y a un marabout qui a travaillé en esprit pour vous. Le marabout, c'est Jésus. C'est toujours ce que vous nous racontez. Arrêtez vos francs. Tout à l'heure, j'ai toussé, tu as dit que ce n'est que le début. Je vais tousser jusqu'à la fin de l'émission. Ça veut dire que quelque part, il y a une. Tu connais Marabout, tu l'as interpellé pour faire une attaque mystique à la vol. Voilà. Le retour de l'attaque sera de taille. Le retour de l'attaque sera de la taille. Donc, c'est ce que je vous ai Et donc, ça vous est jamais arrivé comme ça pour le succès? On ne s'est jamais essayé de voir un petit gris-gris dans un couloir? Non, tu sais, nous, à la base, moi, mes amis, même dans le groupe, m'appellent le prophète. Mes amis, c'est toi qui aimes évangéliser. Ils disaient, toi tu pries tout. On peut prier pour manger là. Toi, tu vas prier là 5 minutes. Tu vois, donc ça faisait qu'on mettait beaucoup de jeunes. Et nous, la force des leaders, c'est qu'on a confiance en notre. On avait confiance en notre talent. Je le mets au passé parce que je ne suis plus dedans. Chacun de nous avait confiance en son talent. Et on savait ce qu'on faisait. On savait où on partait. C'est pourquoi, vous voyez, ça partait, ça a pris du temps. Mais après, ça fait le boom. Et vous pensez que c'est un marabout parce que nous, on a travaillé longtemps. Regarde quand Paulin Grazis voulait nous produire. Salut le vieux, c'était ton anniversaire la dernière fois. Big up, joyeux anniversaire à toi. Féco, salut, je vous salue. Et puis je vous remercie pour ce coup de pouce que vous m'avez donné. Le jour de son anniversaire, tu ne lui as pas souhaité joyeux anniversaire. J'étais en train de prendre le vol et dans l'avion, il n'y a pas de réseau. Donc, mais il fallait faire quand tu étais à l'aéroport. C'est non. Pas que nous, tu avais souhaité joyeux anniversaire. Mais c'est ici que bon, là, il y a plus de visibilité. Bon, que Dieu permette joyeux anniversaire. Donc, quand nous nous sommes arrivés, quand tu nous as demandé de chanter, j'ai eu produit un chanté. Demandez-lui, on a sorti plus de 25 morceaux là. Et il fou, dit, mais tout est chic. Hein. Donc, on fait quoi? Et puis, lui, il dit, reprenez encore. On reprend. Et puis, il dit, bon. Pour le moment, on prend ça là. D'accord. Donc, c'est-à-dire que nous, à la base, on était déjà prêts à cette carrière. C'est-à-dire que, voilà, nous, quand je me suis levé pour chanter, moi, on ne m'a pas appris à chanter. J'ai parlé de format. Oui, mais c'est inné, le talent, c'est inné. Moi, on ne m'a pas appris à chanter. Je me levais un matin, je prenais ma main, vendait de beaux flotos, excusez, c'est des galettes. Elle vendait de beaux flotos. Et il y avait un truc qu'on appelle le parasol, là. Le fer, là. Quand ma mère finit de vendre à la maison, moi je prenais puis chantais la chanson de Baïs Pinto, non, Anjoua. Ouais, je chantais ça dans mon ethnie en Toura.
J'ai dit, Andy de Paris, j'aime manger beaucoup. Donc, il dit à mon frère, Andy de venir manger. Si tu ne viens pas là, moi, tout manger. Hein, et te frapper. Hein. Mmh. Et puis, il dit, un jour, on donne un team. Donc, maman, mais toi, tu chantes tous les jours. Avant de manger, tu chantais. Déjà, c'était un virus qui partait comme ça. Et tu es de quelle région? Tu viens de quelle région d'Afrique? Je suis Toura, je viens de la région de l'Ouest. Voilà, précisément de Biankouma. Biankouma. Mon village, c'est Guinée. Je salue tous les habitants qui ne me connaissent pas. Biankouma. Vous allez me connaître bientôt. Maintenant, tu ne viens pas de campement, comme disait le congélateur, pas lui de quitter d'un campement. Tout a été, par la base, c'était campement. Campement aussi. Et après, ça devient sous-préfecture. Aujourd'hui, Pico, je vois une belle alliance qui brille, hein, comme ça, sur ton doigt, tu es marié. Tu as gâté tout dans la télé, là. Dans ce cas, il fallait enlever ton alliance avant de venir. Si tu es venu, moi, sur là, mes yeux se promènent partout. Donc, j'ai repéré l'alliance dès que tu es rentré. Ou bien, il y a des goûts. Voilà, il y a quelque chose à cacher. Moi, personnellement, on me connaît, on sait que j'aime ma femme, les gens même. Et ta maîtresse? Pour ce mouvement-là, ils avaient mis, même accusé même ma femme, pauvre femme, vraiment bébé Yaku. Moi, j'ai dit Yaku. Et puis, sache que tu auras ta récompense. Mais entre ta femme et ta maîtresse, tu préfères qui? Moi, je préfère ma femme. Ah, donc la maîtresse, tu n'aimes pas beaucoup. Maîtresse, alors. C'est pas ma femme. Moi, je préfère ma femme, la femme qui est ma maîtresse. Oh, et arrête de jouer les mots. Je préfère ma femme. Donc, ta maîtresse, c'est ce que je te dis. Je préfère la femme qui est ma maîtresse. Mais est-ce que c'est pas ta femme qui t'a poussé à quitter le groupe? Ma femme. Je t'explique, à la base, ma femme ne connaissait pas les Zouglou, elle ne m'écoutait pas. Elle n'est pas ivoirienne. Elle est ivoirienne, elle n'en écoutait pas, elle n'aimait pas du tout. Elle est quoi? C'est une wesh, elle est née en France, elle n'est jamais. Elle est partie à 13 ans, donc on peut dire que c'est une wesh, puisqu'elle était wesh, elle l'était. Vu qu'elle est femme au foyer maintenant, il y a plus d'affaires de wesh. Voilà. Donc, elle n'écoutait pas les Zouglou, elle ne connaissait pas les leaders ni d'Adam ni d'Ève. Moi, je connais ma femme, moi, je suis en tête, il y a longtemps qu'on se connaît. Tout petit, quand mon père est décédé, moi. Vous c'était connaissez d'abord chaud. Ici avant... Oui, c'était un peu chaud, on s'est perdu de vue. Vous êtes perdu de vue, ok. Au fait, on ne se draguait pas, je la connaissais comme une connaissance. Puisque quand mon père est décédé, moi, pour pouvoir subvenir à nos petits besoins, je vendais des lotus à la rue, Soko, je me souviens. Je vendais des lotus à la rue et c'est dans ça que j'ai connu Jagen Abou et Charlie Parker. Je leur disais que nous sommes un groupe, les leaders, c'est moi qui suis parti vers eux. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a plein d'attentes autour de moi. C'est moi qui suis allé vers lui et j'ai chanté. Charlie Parker était émerveillé. Tu vends lotus à la rue, viens vers l'école, vieux, on cherche producteur, il faut nous aider. Et Charlie Parker, lui, m'a adopté comme ça. Jagen Abou, il ne savait pas qu'elle disait mon champion, tu seras un grand chanteur. Tu sais, ils avaient le flair. Ouais, mais sous la main, il avait déjà plein d'artistes. Prendre encore un artiste qui n'a même pas de producteur, de produit. Donc, tu vois, c'était pour eux, bon, c'est mon bon petit. Et là, après, quand c'est dans ce sens-là qu'il y avait un bar, on appelait, bon, il n'existe plus, donc je peux dire les noms. Métropolis, avant, à la rue. Elle venait boire avec ses frères souvent. Donc, quand nous, on finissait de vendre. Moi, je vendais avec mes petits frères. Donc, pour les surveiller, vu que la rue était dangereuse, il y a un monsieur qui vendait des poulets là. Je m'assois avec lui et les jeunes qui vendent saucisson, on les aide à vendre jusqu'à ce que 4 heures du matin arrive, qu'il fasse un peu jour pour notre sécurité, pour pouvoir marcher tranquillement. Et là, à 7 heures, on partait, 8 heures, on partait à l'école. D'accord. Donc, quand on s'asseyait là, elle sortait du bar, elle avait sa coupe de champagne, elle s'est fait fumer un peu, tu vois, un peu petite là. Et c'est comme ça, quand elle venait, c'est avec mon capi, les lotus, les chocolats, donc on causait et on se parlait comme ça. Quand tu la vois, c'est la meilleure cliente, tu vois, c'est une bonne cliente. Quand tu la vois, on dit quoi, c'est comment ça va? Elle dit, ah oui, mais hier, c'est passé, il n'est pas vu. L'amour, c'est l'amour part. Elle va dire, je suis passé hier, il n'était pas vu, tu vois, et puis bon. On s'est perdu. Alors qu'elle était toujours de passage à Abidjan, tu vois, à Abidjan. Donc elle venait voir ses frères qui étaient à Abidjan. Elle venait déjà de Beng, en fait. Non, pas de Beng. On dirait que le père était au Mali, ou bien ça, il était attaché de défense, ou quoi, au Mali. Donc elle venait par moment. Donc quand elle venait, elle partait au bar, c'est comme ça. Et voilà, là, après, maintenant, on s'est perdu vue. Et bon, après, moi, vous je ne me souviens même plus d'elle. Je l'ai oublié. Parce que c'est quelqu'un au passage, comme ça, que tu as vu. C'est pas quelqu'un qui est entré dans ta vie. Donc, et bon, un jour comme ça, là, tu es Pico leader. Mais c'est ça. C'est ça. Là, et ça aussi, je veux que les gens se servent de ça. Vous voyez un peu, c'est par ton travail que tu obtiendras tout ce que tu veux. Voilà. La femme que tu cherches viendra quand elle aura vu que c'est l'homme que c'est ton travail est bien fait. Donc, si tu n'as rien, la femme ne va pas venir. C'est pas si tu n'as rien, ton travail.
Ton travail ne veut pas dire avoir des millions, des milliards. Ta stabilité. Ta stabilité. Tu es fier de ton travail, tu le fais véritablement, même si ça ne marche pas. Elle t'aime, elle sait que ça va aller. Parce qu'elle sait que tu le prends en cœur, tu fais le bien. Donc, en définitive, Donc, en définitive, on se croise après. À Paris. Je ne dirai pas où. Laissez. C'est qui a su, vous vous êtes croisés. On se croise dans les échanges, tout. On commence à se souvenir. Je dis, mais tiens, moi, je sors même d'une relation catastrophique. Parce qu'il y avait une fille que je connaissais, pour vous dire que je n'aime pas trop chercher les femmes. J'avais fait 11 ans avec une fille. Et après, ses parents ont... Bon, vous savez, comme en Afrique. Et comment donc, ses parents ont quoi? Ils l'ont gamé. Donné un mariage avec quelqu'un. Ils l'ont gamé pour se marier ailleurs. Ils l'ont enlevé dans ta main. Bon. Décidément, Pico, toi, on t'enlève tout dans la main. C'est-à-dire, ton leadership, on te l'enlève. Ton entreprise, on te l'enlève. Et même la femme que tu vas marier, on te l'enlève. Finalement, on va enlever tous tes vêtements? Non, je ne voulais pas la marier, c'était un amour comme ça. Ah. Et après, maintenant, bon, après ça, moi, j'étais un peu touché. Et puis, bon, là, on se croise, tu vois, un peu, on reste en contact jusqu'à, on parle, on se souvient maintenant. Ah, c'est toi. Ah, c'était toi. Ah, ouais, à ce moment, tu vois un peu. Ah, j'espère qu'ils ne vont pas te l'enlever aussi dans la main. Hein? Ma femme? Ah! Ils essaient. Ils ont essayé. Ils ont essayé plusieurs fois. Ils lui ont dit tout ce qui est de santé. Ah, ils ont pas l'enlever dans ma main, mais nous séparer. Mais si on te sépare, c'est qu'on enlève dans ta main. Alors, mettez-toi la main. Non, on ne peut pas. Faut beaucoup prier, Pico. Prie beaucoup. Comme tu as m'envoyé les attaques dans les gorges des gens. Je pense que nous, on sera attaqués à ce niveau-là pour qu'on enlève ça dans ta main. Son ex-femme qu'il avait avant de se marier, parce que moi, je l'ai connu aussi, je l'ai vu plusieurs fois avec Pico. À l'époque, c'était vraiment l'amour fou. Il était vraiment, à cet été avec elle. Wow. Alors, Pico, à l'issue de cette relation, il paraît qu'il y a eu beaucoup de grabuges. Il paraît qu'il y a eu beaucoup, votre séparation a fait beaucoup de bruit. Mais c'était dû à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le fond? Hormis le fait que ses parents l'aient pris pour la marier ailleurs. Après, tu l'as aussi, trompé? Vous aussi, c'est Et l'ancienne, oui, l'ancienne, oui. Il y a eu beaucoup de grabuges. Oui, l'ancienne, parce que bon, après que ça s'est passé. L'ancienne, tu l'as même pas su. Mais il était galé encore. Donc, tu ne peux même pas t'intéresser à moi. Non, mais c'est les sons qu'on a eus. Non, les gens racontent n'importe quoi. C'était une fille bien, superbe, quelqu'un posé dans la tête. Donc, on dit c'est toi qui a déconné, justement. Moi, je n'ai pas déconné. J'ai dit que ses parents lui ont proposé quelqu'un. Vu qu'elle est dans une relation où peut-être on ne parle pas du mariage depuis. Peut-être ils ont voulu. Tu sais, les parents, ils pensent qu'ils font. Non, est-ce que c'est pas parce que tu étais galé, tu n'avais rien? Non, jamais. Ses parents ont voulu jamais la marier. Jamais, moi, je sortais déjà à la télé, on faisait tempo, on faisait tout. Ses parents voyaient. Mais ça n'avait pas dit que moi, je ne suis pas dans la tête des gens pour savoir, mais moi, je me dis que c'est une famille bien, ça peut, c'est des trucs qui peuvent arriver, ils peuvent prendre des décisions pour les filles. Mais c'est arrivé. Moi, tu sais, avec moi, quand ça ne marche pas, il faut toujours voir le côté positif. Je me suis dit, c'est pas elle qui devait être là. C'est parce que c'est pas elle qu'elle est partie. Okay. Dieu a trouvé le moyen de l'enlever. Mais Pico, il y a une chose qui me taraude, hein. Très sincèrement, je ne vais pas te mentir, parce que mon ventre n'est pas valide, je ne garde pas pour moi. Vu que tu as créé le groupe Les Leaders, Donnes t'a arraché ta place. Tu as créé Festi Leader, le même Donnes a encore pris ta place. Est-ce que tu ne crains pas que le même Donnes vienne encore t'arracher ton épouse? Il sait. C'est mon frère, il ne peut jamais s'amuser à quelque chose. Ton frère qui t'arrache ton entreprise et ta place de leader. Il est encore ton frère. Il m'a pas arraché. Quand on dirait quelque chose veut t'arriver. Il ne m'a pas arraché. En fait, ne confondez pas. Donnes ne m'a pas arraché mon entreprise. Je l'ai laissé dans l'entreprise pour partir. Mais donc ça veut dire t'as arraché si tu pas, si je te laisse. On arrache l'entreprise. Prendre ce que tu m'as arraché, donc il faut prendre, tu vas partir. Il ne peut pas chercher ma femme. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'azader. Et il la connaît. Mais c'est un bel homme. Mais moi, je suis vilain. Non, tu es un beau gosse. Mais comme on t'arrache tout, moi, je suis tenté de croire que finalement. Ah, champion, il ne faut pas faire ça. Moi, je peux m'arracher. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut m'arracher ma femme. Ah, bon, alors, Pico, parlons de ta nouvelle chanson. C'est un maxi single, c'est un album. Tu sors un album ou un maxi single? Pour le moment, j'ai fait un EP. En temps normal, c'est un album. Okay. Je voulais sortir un album de 8 titres. OK. Tout le long de l'année 2023. D'accord. Mais en le sortant d'une manière différente. OK. Je fais 2 titres chaque 2 mois. Mmh. Ou 3 titres chaque 3 mois. Et de sorte que les fans et mélomanes puissent décortiquer, prendre, attraper bien le dialecte, bien chanter. Là, à mon concert, je n'aurai pas à arriver à un morceau où tu es oublié, tu es là et puis c'est toi qui chantes, c'est tout le monde qui chante. Mmh. Mon concert, je veux que tout le monde s'amuse.
Je veux que mes fans, ce soit eux, les artistes, et moi, les fans. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu vois. Je vois ce que donc, je prends le temps de permettre à mes fans de décortiquer les phrases, de comprendre le sens de mes mélodies, mes paroles, mes morceaux. Et je crois que ça marche. Qui est l'arrangeur de cette chanson? C'est Nanofoabi, Mais, dis-moi, hein, Pico, dans la séparation, dans votre séparation entre toi et les autres, quelle a été la position de Maillot Jaune? Est-ce qu'elle t'a appelé après pour essayer d'aplanir les choses, essayer de vous réconcilier ou alors elle a donné sa position en restant avec les autres? Non, Maillot Jaune a essayé. Il ne faut pas qu'on se mente. Hein. Elle a essayé, elle a demandé pardon, elle a vu la gravité des choses. Elle m'a dit, tout ce que je te demande, c'est d'avoir un cœur pour pardonner. J'ai dit, tu sais. La gravité des choses. Elle a vu la gravité. Elle a vu la gravité. C'est que c'était très tendu. Elle m'a dit, je te demande d'avoir un cœur pour pardonner. Et je lui ai dit, tu sais, on peut pardonner, mais nous sommes aussi des êtres humains. On n'oublie pas. Il y a des choses qui font mal. Faut pas que, moi, je ne sais pas être hypocrite. Parce que l'amour que j'ai pour eux, là, ne doit pas me rendre hypocrite. Ça doit me rendre vrai envers eux. C'est pourquoi je suis quitté. Pour leur montrer que sinon je pourrais rester et faire tomber les leaders, faire planer les leaders en chute libre. Ça, c'est à la minute. Je restais, j'apporte plus les idées, je fais rien. Donc, toi, je viens en retard. Donc, toi, tu penses que tu peux faire tomber les leaders? Si j'étais dedans que je voulais le faire, je le ferais. Sérieux, genre, hein? Tu comptes sur quoi? Ça, c'est rien, même. Non, mais tu comptes sur quoi? Parce que je sais où pousser pour enlever les briques de la formation. Donc, ça veut dire qu'en définitive, c'était toi le cerveau, en fait. Oui, c'est ce que ça sous-entend. Si je veux faire tomber les leaders, si j'étais encore là, je l'aurais fait. Ça veut dire que le cerveau, c'était Pico, les autres, c'est le suiveur. Eux, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Mais si on a un lead vocal qui est donné, c'est moi qui suis son suiveur, c'est normal. C'est pas, le cerveau, c'est tout le monde, au fait. Ah, oui. Comprenez que les leaders... Je nous mets toujours dans le lot de famille. Je nous mets toujours dans le panier de famille. Quand tu apportes du riz en famille, tu as apporté du riz pour ta famille. Tu n'as pas apporté du riz parce que tu voulais donner aux gens de ta famille. Non. Tu as apporté du riz pour ta famille, pour que la famille puisse manger ensemble, puisse être rassasiée. En t'entendant parler, autour de ce débat, de ces échanges que nous avons eus, on a le pressentiment, un grand pressenti, que la douleur est très profonde. Franchement, elle est hyper profonde. Franchement, faut pas que je mente. Et là, avec beaucoup d'amertume, tu parles avec beaucoup d'amertume. Ouais. La douleur est autant profonde, elle est autant intense. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, déjà, quand je vois, est-ce que tu es prêt un jour à pardonner ce qu'ils ont fait comme faute? Franchement, je vais te dire quelque chose. Si j'ai pardonné, combien d'années? Et ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup pardonné. Les leaders, déjà, à la base, je vous dis, ce n'est pas une première rupture. Il y a une rupture que les gens n'ont pas su. Donner, c'était parti. Il est venu, il m'a demandé pardon. Les gens, Eric Patron, Yodé Siro, tout le monde m'a appelé. Petit, le Kamso Marabout, les marabouts sont les venus. Mon frère, soir, faut le laisser. Il va arriver. J'ai dit non, je ne l'ai pas bloqué. Moi, seulement qu'il est parti, moi, je vais faire ma carrière solo. Bon, c'est à Valé, je pense. Parce que moi, je suis beaucoup famille. Je me disais, mais comment Valé va faire pour manger? Il a eu bon, moi, ça bouge. Moi, je peux chanter dans les bars, dans les trucs, donner son temps et chanter là-bas, mais du fait quoi. Et Valé m'a appelé, il m'a dit, Pico, ça ne va pas. Frère, ça ne va pas. Si tu ne viens pas, pourquoi on reprenne le truc? Peut-être un matin, ils vont t'appeler pour dire que Pico va les décider. Tu comprends? Et je lui ai dit, tu es mon frère, je viens t'enlever dans ce truc que tu es dedans. Je viens t'enlever dans cette gale, on va quitter dedans Valérie. Et je suis venu, à cause de Valé, j'ai laissé ma courrier, c'était juteux. Les gens savent, j'ai vivé avec Abiola Stéphane, c'était juteux. Et j'ai laissé, je suis venu, j'ai pris Valé, je lui ai dit, laisse. Donnez ça, c'est saisi. Valé ne voulait même plus entendre parler de Donnez. Là, on était deux avec Miss Kwame. Donc, le problème, c'est Donnez alors? Écoute, je vous c'est explique. C'est le vampire du groupe? Non, je vais vous expliquer. Ce n'est pas lui le problème. Je vais vous expliquer. Donc, le problème, c'est quoi? Le dis-nous. Problème, il n'a pas... J'explique. Non, tu veux mettre du rien. Tu as gros sur le cœur, tu es là, tu es là. Je t'explique, c'est tout. Donnez, est-ce qu'elle est le vampire? Ça, c'est un problème. Ça, c'est une première séparation. Oui. Donnez, c'est venu me voir. Les gens lui ont parlé. Il sait, quand il va voir ça, il sait. Et la Côte d'Ivoire ne t'aimait pas au courant parce que moi, j'étais ça.
Moi, il valait, j'ai dit, valait. Tu as tué le discours en esprit. J'ai dit, il faut qu'on tue ce discours. Il ne faut pas que les gens apprennent. Et puis, les ils vont le voir après. Dans la rue quelque part. Ils vont l'insulter. Ils vont lui dire ça. C'est notre frère, il va arriver. Valet dit, oh non, on partait en studio. On partait en studio. Genre, on a prévu aller en studio lundi qui vient. Et Donnès nous appelle aujourd'hui. Et on est dans le réseau de Valet décroche pas. Il est entré dans mon réseau. Vous êtes tous. Je dis, chef Valet, ouais, on est là. Parce que nous, on avait commencé à tourner. On tournait. C'est là le premier faux Flavor qui est venu en Côte d'Ivoire, là, une année. Là. On était avec lui dans même toutes les tournées. Nous, on voyageait, on faisait moins Valet parce que. Valet, c'est cher qui est Pico, donc je tapais dedans propre même, ça n'y a pas de problème même. Voilà, donc on partait fin, on payait nos maisons, on louait nos maisons, on était prêt maintenant à sortir une chanson. Et Donnès a appelé, il est venu. Alors, donc en définitive, selon tes propos, Pico et les leaders, on n'en a plus jamais parlé. Pico et les leaders, franchement dit, on n'en a plus jamais parlé. Mais les leaders et Pico peuvent se retrouver quelque part à causer en tant que frère. Amicalement. On peut se retrouver sur un projet qui sera bénéfique pour chacun de nous, chacun a son gain. Mais Pico et les leaders ensemble, on n'entendra plus parler. Je ne fais plus partie des leaders. Je suis Pico. Vous allez sur Facebook, Instagram, YouTube, vous tapez. Donc désormais, Pico. C'est l'artiste Pico. C'est l'artiste Pico. Voilà, je suis l'artiste Pico, votre humble serviteur. Bientôt, vous aurez des belles galettes à déguster. Alors, Chola. Alors, moi, ce que je voulais savoir, hein, Pico, est-ce que des fois, tu ne te dis pas que Donnès est ton sorcier ou ton vampire? Parce que je demande ça pourquoi? Parce qu'à un moment, on voyait Donnès prester tout seul sur le son des leaders. Est-ce que pour toi c'est normal, même si tu es en froid avec ton ami, d'aller prester sans lui, sans son accord? Au fait, autant il avait, comme il a dit, quand je lui disais au départ, je dis qu'il est venu, il a dit que c'était une erreur. Donc on considère toujours qu'il a fait une erreur là-bas. S'il a presté seul, ça a été une erreur. Moi, je ne veux pas l'en vouloir pour ça. Mais là, il y a un motif bien précis pour lequel j'ai quitté le groupe et ils le savent. Ils le savent. Donc, mais ce motif-là, c'est quoi exactement? C'est la trahison de Donnès? C'est parce que on t'a relégué au second plan? Ou bien c'est quoi le fait? Ce motif, je dirais, c'est un motif. Tu sais, moi, je suis quelqu'un. J'aime l'homme, mais j'aime pas les foutaises. Ceux qui me connaissent savent. Tu peux me piétiner une, deux fois, mais faut pas m'écraser. Ça va pas avec moi. Parce que moi, j'aime pas me foutre des autres et j'aime pas les foutaises. Donc, il y a plein de choses. Plein. Tu vois, quand tu te fâches, aujourd'hui, quand une femme se fâche avec son mari, c'est tout ce qui était avant qui vient plus aujourd'hui. Tout, donc, ma colère est un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai tout mis dans le même panier, plus le nouveau. Tout ancien ou nouveau, j'ai analysé, je me suis senti un peu bête parce que faire des sacrifices pour certaines personnes qui ne te le rendent pas en retour, c'est pas ça la vie. La vie, quand on est à trois, c'est je me sacrifie pour qu'on avance. Je fais des sacrifices pour vous, mais tout le peu que je demande, c'est un peu de respect, un peu de dignité, un peu de considération et savoir pardonner. Parce que quand toi tu fais, moi je te pardonne. Peut-être si moi je t'ai fait, tu ne pardonnes pas. On ne peut pas évoluer ensemble. C'est clair. Mais tout à l'heure, tu as dit que le premier album des leaders a été produit par Paulin, garagiste. Et pourquoi pas le deuxième? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Paulin, tu sais, c'est un artiste. Il avait ses projets artistiques. Et il ne va pas passer son temps qu'à produire. Parce que la production, on sait le temps. Est-ce que vous avez été reconnaissant déjà? On lui est toujours. Parce que Paulin n'aura jamais besoin des leaders et les leaders vont tarder à venir. Non. Paulin, il est là. On prend toujours de ces nouvelles. Moi, reconnaissant devant Dieu, il ne faut pas que je sois un menteur. Depuis cette histoire arrivée, je savais que la seule personne qui allait m'appeler et j'allais laisser tomber, c'était Pouli. J'ai bloqué son numéro. Ah ouais? Ouais. Ah, vieux père, il a bloqué ton numéro, hein? J'ai bloqué son numéro. Il a essayé de me joindre une fois. J'ai coupé et puis j'ai bloqué son numéro. Parce que en ce temps-là où ça a commencé, là, s'il me parlait, j'allais l'écouter. Voilà. Alors que là, mon esprit n'était plus disposé à être avec les leaders. Parce que la vie, c'est une disposition d'âme et d'esprit. Donc à l'heure actuelle, personne ne peut te convaincre de te remettre avec les leaders. Parce que j'ai déjà lancé
la mission ta carrière solo. Voilà, ma carrière solo. Je ne peux pas revenir si mais je veux. Tu peux laisser la carrière solo pour retourner. Vont-ils me rembourser tout ce que j'ai mis dans les studios en France? Bah, donnez ça, tu vois, il est dans grosse voiture, tu sais qu'il a les moyens, il peut te rembourser. Il va me rembourser mon inspiration. Ah, bon, il y a ça aussi. Donc, en définitive, c'est Donnez le vampire. Non, c'est pas Donnez, ce n'est pas un vampire, ne l'accusez pas. C'est une question, le malentendu vient de moi, Valet et Donnez. Nous trois. Nous trois. Moi, je ne mets pas les managers dedans parce que. Mais ils sont 203, ceux-là. Ils sont. Oui, mais c'est comme ça. On a l'impression de voir ceux qui sont en pension, ceux qui sont en plus de nombre en raison. C'est ce qu'on dit souvent. Ouais, mais c'est ça, parce que. Ben, moi, je laisse les gens. Tu sais, le temps. Le temps, hein, il dessine tout. C'est ça. Il dessine il met tout le monde et toutes choses à voilà, sa place. Voilà, tout le monde, toutes choses à sa place. C'est le mec qui a raison. Donc, moi, je laisse les gens savoir. Il y a des gens qui ont dit qu'il est parti à cause des femmes. Il allait caler à cause des femmes. Ça, c'est Donnez même qui l'a dit pendant une émission. Mais c'est ça, il dit quand il a quitté son groupe, il allait caler à Bengue. Il a quitté mon groupe, qui est moi-même. Il fait sueur de mon fond. Bengue, son transport, c'est combien? 300, 400 000 pour revenir, mais 600 000. Il est parti caler là-bas pour revenir. C'est ici, il y a l'argent. C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que dans ton fort intérieur, tu ne te dis pas « mon sorcier, c'est Donnez » ? Ce n'est pas mon sorcier, parce que Dieu me crée, moi je suis un enfant sorcellerie, mais moi pas. Donc mon frère peut être mon sorcier. Tout, peut-être qu'il a des maladesses, il peut avoir fait des choses qui ne sont pas bien, mais il peut être mon sorcier, il peut être mon sorcier. Jusqu'au point où il voulait me tuer, non, ça, il peut être mon sorcier. Ok, alors... Voilà qui est clair. Bah, alors, Pico, notre émission tire bientôt à sa fin. Mmh. Quel est l'appel que tu peux lancer à tous ceux qui t'apprécient, tous ceux qui aiment Pico? Ok, je fais beaucoup déjà pour vous dire, pour souhaiter joyeux anniversaire à Valet. Bon, quand je pose des choses, si leur anniversaire, une personne répond, mais... Valet aussi répond pas. J'ai fait joyeux anniversaire à Donnez et ils l'ont vu, ils m'ont pas répondu. Bah, Valet aussi, lui, répond pas. Valet, je viens de lui dire joyeux anniversaire. Oui, mais est-ce que Valet même, tu es en contact non, avec Valet, lui? Je l'appelle. C'est pour bon, preuve, moi, quand bon. J'ai fini mes chansons, quand j'ai fini mes chansons et j'ai dit, Valet, j'ai tué en studio, hein. C'était bon. Même quand j'ai quitté le groupe la première fois, je suis revenu en février pour venir signer mon contrat de démission à Abidjan. Mm-hmm. J'ai appelé Valet quand je suis arrivé à l'aéroport. Dit, champion, je suis là. Donnez-le, il n'a pas dit ça. Je ne sais même pas s'il a bloqué mon numéro, mais ça passe pas. Comme tu aimes bloquer pour les gens, ils ont bloqué pour toi aussi. Ouais, mais c'est ça. Non, c'est bloqué dans bloqué. C'est bloqué dans bloqué. C'est le mouvement des vieux. Sinon, Valet, lui, j'ai causé à lui. Le staff, j'ai causé à des gens, j'ai causé à lui. Maillot jaune. Au départ, quand j'étais parti, moi, je m'écrivais. Bon, après. Non, maintenant. Après. On lui a fait un lavage de cerveau, à ton avis? Non, non. C'est pas. Tu sais, la vie, c'est un choix. Tu sais, c'est un choix. Il faut les comprendre aussi. Et ceux qui sont dans le staff, il faut les comprendre. Ils sont restés. Ils nourrissent leur famille au travers de ça. Ils sont dans la ils peuvent pas. Voilà, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ça sera comme une trahison. Donc, ça veut dire que de, chacun de... a choisi son camp. Ouais. Donc, bon, disons comme ça, si chacun a choisi son camp, mais Joe, la vie, c'est la vie. Hein. On va pas s'apitoyer sur son sort. Nous sommes des garçons. Moi, tout ce que je demande aux Ivoiriens, c'est d'aller exprimer. Hein. Les chansons de Pico, il y a Cri de cœur, il y a Douniment qui sont sortis. Vous en aurez trois autres d'ici peut-être fin février ou début février. D'accord. Et déjà, sachez que votre artiste est là, Pico. La musique, c'est une œuvre d'esprit. L'œuvre d'esprit, c'est la continuité. Et moi, je continue mon chemin parce que c'est ce que je sais faire. Et sans bagarre. Que ceux qui sont en train de dire que c'est pour sa femme, c'est... il a quitté le groupe à cause d'argent et de leadership. Moi, je suis un leader. En moi, il y a plusieurs leaders. Et moi, je ne fais pas des bagarres de leaders parce que ça, c'est enfantin. Je quitte simplement pour créer ma société, pour en être le leader. Et voilà la nouvelle société qui est Pico, dont je suis le leader. Il n'y a plus de bagarres de leaders. Merci à tous. Ok. Merci beaucoup. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Un big up à tous ceux qui apprécient Chola, qui m'envoient des messages souvent. Vous voulez draguer, mais je vous dis, c'est pas la peine. Chola a un cœur qui est déjà pris. Bah ouais. Big up à, au PDG Pierrot, big up à Kangala le berger, big up à la marraine Mathilda, big up à Ange Bleu le cultivateur, big up à Franck Mian le jeune industriel, Aboudia le peintre. Merci. Surtout, big up à Kevin depuis le magasin Le Printemps. Big up à Kra, la boutique de luxe du niveau de la 7e tranche. Merci à tous et à tous qui nous suivez. Et surtout, sortez couverts. N'oubliez jamais de toujours sortir couverts. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Alors.